nous allons préparer la sauce chasseur. Sauce chasseur, c'est une sauce dérivée d'un fond brun lié ou d'une demi-glace. Vous utilisez ce que vous avez. Cette préparation nécessite donc l'adjonction de certains aliments pour les appellations. Par exemple, sauce diable, il y a du poivre parce qu'elle est très très forte. Sauce bigarade avec le jus d'orange, le zeste d'orange. Aujourd'hui, nous allons voir sauce chasseur. Étape numéro 1, mettez un peu de beurre dans votre poêle. Vous mettez vos oignons. On va faire tomber les oignons en premier. Alors, j'ai mis une quantité quand même relativement importante de beurre, vu que la sauce chasseur, même après réalisation, vous devez la monter avec un peu de beurre également. Utilisez des champignons de Paris émincés frais, comme vous pouvez utiliser des champignons émincés de boîte, hein, donc des produits apertisés. Vous rajoutez vos champignons. Et là, vous mouillez avec votre fond brun lié. À défaut, comme j'ai dit, votre fond. Alors là, vous mouillez avec le fond brun lié ou une demi-glace. Alors vous ajoutez du persil à votre sauce et vous mettez de côté jusqu'au moment de service. On va monter cette crème. On va monter au moment de service cette sauce avec un peu de beurre. On va passer à la préparation de notre garniture. La garniture pour notre poulet sauté chasseur aujourd'hui, ça va être des pommes, purée de pommes tout simplement. Et on va les relever à l'huile d'olive, un peu d'ail, assaisonnement. Je vais vous montrer tout à l'heure pour le dressage, mais on peut accompagner le poulet sauté chasseur avec des pommes sautées à cru. On peut également servir avec un gratin dauphinois, gratin de pommes de terre de façon générale, des pommes boulangères, également des légumes sautés. Vous pouvez servir votre poulet avec du riz également. C'est à vous de concevoir votre carte selon les préférences et selon le goût que vous voulez offrir à vos clients. Alors pour la cuisson des pommes de terre, au départ, eau froide, on va les cuire en robe de champ, c'est-à-dire avec la peau. Les cuissons des pommes de terre, vous les laissez chaudes, vous les égouttez, on va les éplucher. Alors voilà. Vous commencez à écraser votre purée. Voilà. Alors là, on va assaisonner un peu de sel, un peu de poivre. Alors en réalité, pour la purée de pommes de terre, vous pouvez rajouter du lait pour avoir une purée. Vous pouvez rajouter également de la crème fraîche. Mais moi, je préfère laisser la purée qu'elle tienne un tout petit peu. Juste un peu de beurre. Je vais remonter avec un tout petit peu pour parfumer un peu d'huile d'olive. Moi, je vais mettre un tout petit peu de fromage, du parmesan. Vous pouvez également mettre du gruyère, du fromage rouge, uniquement des herbes, de l'estragon, du basilic, du persil, ce que vous voulez. Ça dépend, bien sûr, de la nature de votre préparation. Alors moi, je mets un tout petit peu de parmesan. C'est bon dans les purées. Alors nous allons passer à la deuxième étape qui est la préparation de notre poulet. Vous assaisonnez sel, poivre, vos morceaux de volaille qui sont préalablement manchonnés. Désossé. Alors vous pouvez voir la technique de désossage sur notre vidéo.
Par la suite, on va fariner le morceau de poulet. Un peu d'huile, un peu de beurre. Alors la cuisson sautée, ça dépend de la grosseur de vos pièces. Quand il s'agit de poulet, comme coupé en quatre, ce sont des parts qui sont relativement gros. Il vaut mieux marquer en cuisson, cuisson sautée des deux côtés. Terminer quelques minutes la cuisson au four. Alors démarrer la cuisson côté pot. Après on tourne et on va terminer la cuisson de notre poulet au four quelques minutes. On va passer à notre stade là, le poulet, après qu'il a été mis au four pendant 15 minutes. On va passer à la deuxième étape, qui est de dresser nos pommes. Alors pour le dressage, chacun peut dresser selon la méthode et selon la technique qu'il veut. Il n'y a pas vraiment une méthode précise. Alors moi je vais utiliser un moule, une assiette, voilà ma purée de pommes de terre. La sauce, ne mettez pas trop, juste un peu. Je mets mon poulet, pas trop charger l'assiette non plus. Un tout petit peu de sauce dans une verrine. Voilà. Un tout petit peu de persil. Et je vous présente le poulet sauté chasseur avec sa purée de pommes de terre. Bon appétit.